Les gars, pardon, aidez-moi. Je suis dépassé. Je ne savais pas que la plante ici allait me faire ça. Je ne savais vraiment pas que la plante ici allait me faire ça. Papa Jean-Jacques, père, son âme m'avait prévenu. Tu récoltes, ça ne finit pas. Tu récoltes, le lendemain, tu reviens, ça a encore donné les fruits. C'est pas possible. C'est quoi avec le poids cajan? Tu récoltes, ça ne finit pas. Tu récoltes, ça ne finit pas. Tu récoltes, je te tourne le dos. Une semaine, 2 semaines, voilà les fruits encore versés au champ. Jusqu'à ce que ça commence encore à mûrir. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça? Père Ben m'avait prévenu. Des messes. On ne fait pas le poids cajan si on n'a pas le temps pour venir récolter. Tu vas te fatiguer de récolter pendant 2, 3 ans. Regardez-vous-même. Le poids cajan, le poids cajan, le poids cajan. Merde, c'est pas possible. C'est pas possible. Les amis, avant de faire le poids cajan et le temps pour récolter, le plus dur, c'est le temps. Comme tu récoltes là, voilà encore ça. Voilà. Ça fait quoi? 2 semaines, non? Je vais vous montrer la vidéo comment je récoltais. Voilà ça qui a déjà séché. Voilà ça. Voilà ça. C'est là, versé en soc-soc. Versé en soc-soc partout dans le champ. Pas et d'autres. Pas et d'autres. Associé, banane plantain, avocatier greffé, moringa, celle-là, en soc-soc. Mes abeilles ont déjà mangé en bas là jusqu'à elles sont fatiguées. Elles ont déjà bitumé, 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 bitumé jusqu'à elles viennent me dire, mais. Je dis que, hey, papa, nous-mêmes là, on fait le miel. Le poids cajan, c'est le poids cajan. Tous les jours, ça fleurit. C'est même comment. Les abeilles ont à manger tous les jours. Elles se fatiguent même. Ça fleurit seulement tous les jours. En tout cas, vous qui ne voulez pas produire le poids cajan là, vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein? Vous ne savez vraiment pas. Mes abeilles sont à l'aise. Mes plants de bananier plantain sont à l'aise en termes de fertilisation. Mes plants d'avocatier sont à l'aise en termes de fertilisation. Mon moringa est à l'aise en termes de fertilisation. Moi-même, je suis à l'aise à la maison. Je mange, je mange, je mange. Et la bouillie, oh, ça va me tuer. Bouillie de poids cajan, ça va me tuer. Le jazz, ça va me tuer. Maintenant, là, on va aller nourrir le bétail avec, parce que c'est très intéressant aussi pour nourrir. Le bétail pour augmenter l'alimentation, ainsi de suite, que ce soit pour l'élevage des poules pondeuses, des poules de chair, pour l'élevage des porcs, des ruminants, bref. Les gars, allons au champ faire le poids cajan. Père Ben est parti, nous on va continuer la bataille. Allez, à très bientôt.